Cette jeune équipe d'acteurs s'avance vers la scène et s'apprête à présenter pour la première fois son spectacle face à un public. Une troupe de comédiens qui a travaillé cette représentation dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion. L'insertion par le théâtre, c'est l'expression de soi et la confiance retrouvée. C'est cette capacité à s'extérioriser, à retrouver confiance en soi, c'est très important, à travailler en équipe. À retrouver vraiment confiance en soi, c'est primordial. Des scènes de la vie quotidienne sont jouées avec, comme fil conducteur, les violences conjugales au quotidien et les différentes formes d'addiction. C'est une thématique qui s'est imposée. Tout vient d'eux, hein. Donc nous avions envie de questionner cette difficulté qu'on a à être en relation avec les autres et toutes les formes de violence que ça peut prendre. C'est la relation, par exemple, là, au sein du couple, dans le travail, face à soi-même, face à la rupture sentimentale. C'est des relations, quelquefois, c'est des choses violentes. Et puis des phénomènes d'addiction. Moi, j'arrête de fumer. C'est une scène sur l'addiction à la cigarette. Et c'est pour montrer les difficultés à arrêter, vraiment le bon et le mauvais côté en fait de l'esprit qui nous dit il faut arrêter, et puis l'autre qui nous incite à continuer parce que c'est bon, parce que c'est cool, parce que c'est chouette. C'est toutes les difficultés de l'addiction. Je suis dans un sketch où justement j'interviens en tant que personnage un peu soulard qui sort devant la boutique avec ses potes, et quand il arrive chez lui, il engueule un peu sa femme. C'est pour montrer un peu aussi le côté macho de l'homme, qu'il faut avoir des parts égales de la chose. Pendant une année, ces volontaires inscrits dans une démarche d'insertion vont travailler leur jeu d'acteur au théâtre tout en réalisant leur projet d'insertion professionnelle. Deux volets de ce chantier d'exception qui porte ce public. Ça nous aide à prendre confiance en nous aussi. Moi, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, chose qu'avant j'avais pas, à vaincre ma timidité. Ça nous permet d'être nous-mêmes, d'aller au-delà de notre capacité, de prendre confiance en nous et de pouvoir nous dire que nous aussi on est capable. C'est vraiment un grand truc parce que, comme ma collègue a dit, on n'avait pas vraiment confiance en nous. On avait des vécus un peu tous similaires. Et du coup, ça a permis de nous regrouper et de vraiment donner quelque chose de valorisant. Cette troupe se produira tous les jeudis soirs au village Corail de Saint-Paul, partenaire de cette action. Les représentations seront forcément dépendantes des contraintes sanitaires.
Dans le cadre de l'opération Bois de quartier qui consiste à replanter des espèces endémiques de la Réunion, les jeunes en service civique de l'Académie des Dallons sont allés à la rencontre des habitants de Bois-de-Neuf-Saint-Paul afin de savoir ce qu'ils aimeraient voir planter dans leur quartier. On vient voir les gens pour poser des questions, pour savoir ce qu'eux-mêmes on veut, eux-mêmes. On veut bien ici à Bois-de-Neuf des pieds de bois endémiques. Et des pieds de bois, leurs souvenirs avant, peut être fruitiers, tisanerie, et aussi beau à voir. Pour Adèle Audon, conseillère départementale, il s'agit là d'une action à double vocation. On est sur une action qui amène les jeunes vers la rencontre de la population et s'insérer socialement et puis s'investir dans une mission qui demain matin peut les amener à comprendre que pour le travail, il faut pouvoir aller vers les gens et s'investir, être dans l'action. On a un autre axe qui est cet engagement que le département a pris sur le plan 1 million d'arbres où le choix des arbres ne se fait pas sans la concertation de la population. Donc vous aurez bien compris qu'aujourd'hui, les jeunes de l'Académie des Dallons vont à la rencontre des habitants de Bois-de-Neuf pour comprendre et essayer d'étudier quelles étaient les espèces qui existaient et que les gens aimeraient revoir, soit chez eux, soit au niveau de la ville, soit au niveau du quartier. Une initiative très appréciée par la population. C'est important parce qu'on fait vivre le quartier avec les gens du quartier. Moi, j'aimerais bien, par exemple, fleurir les ronds-points. Fleurir devant les mairies, les églises, pour que ça fasse joli. Et les arbres aussi, parce que bon, on a besoin d'arbres pour l'ombre, pour les oiseaux et tout ça. Mais c'est vrai que les fleurs, quand on arrive dans un quartier où c'est fleuri, on fait « waouh ». C'est ça, c'est la beauté des yeux avant tout. L'opération Bois de quartier qui s'inscrit dans le plan 1 million d'arbres du département se poursuivra ce samedi 24 juillet sur la place de l'église et le mercredi 28 à la bibliothèque. L'action fera l'objet d'une restitution partagée avec les habitants. Vous êtes dans la forêt de Montvert-les-Hauts, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote, donc sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997. Pour la protéger, puisque à l'origine, cette forêt était menacée par un projet de défrichement. Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasé pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches, de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut, et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme, on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix, sur 800 hectares. Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais de plantation en ligne à la mécanisation, après giroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 euros, il faut dépenser 40 euros à 50 euros pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Mais cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste à
notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts. Le vernissage de l'exposition Histoire des hommes et des espèces à La Réunion s'est déroulé ce 6 juillet à Mascarin Jardin Botanique de La Réunion. Chef de file de la préservation de la biodiversité, le département a soutenu ce projet porté par l'AVE2M, l'Association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. On voulait à travers cette exposition effectivement rappeler ce qu'était La Réunion il y a 300 ans en arrière, ce qu'est La Réunion aujourd'hui et surtout passer un message d'alerte pour l'ensemble des acteurs du département et notamment la population. Pour dire effectivement, il y a eu beaucoup de mal qui a été causé, mais aujourd'hui on a encore de la chance d'avoir encore des reliques de notre végétation d'origine. On a encore des espèces indigènes et endémiques précieuses qui n'existent qu'à La Réunion, qu'il faut absolument sauvegarder. Donc le message qu'on passe aujourd'hui, c'est qu'on se mobilise tous, et notamment la population, qu'on tire tous dans le même sens pour réussir effectivement à combattre ces espèces invasives et à sauvegarder nos espèces, les précieuses qui nous restent, aussi bien pour nous que pour les nouvelles générations qui vont arriver. Le département nous a demandé une relecture critique, en fait, et puis d'apporter aussi des éléments qu'il y en avait, d'apporter de l'iconographie, donc apporter, enfin, que les informations qui soient dans cette exposition soient à la fois vulgarisées, mais soient justes, qu'on ne véhicule pas des choses fausses, voilà, qu'elles soient le plus précises possible, pour apporter une réelle plus-value à cette exposition. Le coût de ce projet de grande envergure financé par les fonds européens FEADER s'élève à près de 280 000 euros, dont 75 000 euros cofinancés par la collectivité départementale. Alors, le département travaille déjà depuis plusieurs années avec l'AVE2M, qui est notre opérateur historique sur la partie valorisation et préservation de nos espaces. Ils nous ont proposé, donc en 2019, une exposition à but pédagogique sur l'histoire de l'homme et des espèces. Et nous avons tout de suite dit oui, parce qu'il s'agit exactement du type d'action qui nous permet de sensibiliser au mieux tout type de public et en priorité les jeunes. Une exposition itinérante qui sera présentée dans une vingtaine de sites ainsi que plusieurs établissements scolaires. Nous pouvons être fiers des grands chantiers que nous menons en faveur de la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous, département, voulons aller encore plus loin. Nous adoptons un grand plan de transition écologique et solidaire qui nous permettra de faire notre part dans cet immense défi. Face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité, à la pression sur les ressources naturelles, face aussi à l'opportunité d'évoluer vers une société plus solidaire et plus sobre, le département s'appuie sur l'ensemble des Réunionnais pour trouver des solutions. 1067 propositions ont émergé de la concertation organisée en octobre-novembre 2020. Elles constituent aujourd'hui le socle de ce plan de transition, de la feuille de route du département pour contribuer plus et mieux aux défis du développement durable. C'est l'ensemble de l'administration qui transforme ses pratiques pour que les préoccupations environnementales soient pleinement intégrées à notre fonctionnement. Nous diviserons par deux la quantité de déchets non recyclables générés par notre activité d'ici 2025. Nous expérimenterons au sein des directions volontaires plusieurs actions de réduction des déchets non recyclables. Grâce au partage d'expériences et en s'adaptant à chaque situation spécifique, nous généraliserons les actions les plus pertinentes. Les élus et les agents n'ont pas attendu la mise en place d'un plan de mobilité pour laisser leur auto à la maison. Ça fait 5 ans que je prends le bus pour venir travailler. Donc ça fait des économies déjà. On n'a pas d'essence à dépenser, on n'a pas de voiture à faire des révisions. Là-dessus, c'est super, on n'a rien à dire.
Aujourd'hui, entraînons l'ensemble des agents et élus dans une mobilité plus durable, en se déplaçant moins et mieux. En 2023, nous souhaitons que 500 personnes du département aient évolué vers un transport moins polluant, grâce, par exemple, à une plateforme de covoiturage. Nos achats doivent entraîner les entreprises de La Réunion vers de nouvelles technologies et façons de faire. Pour cela, nous visons en 2026 un objectif de 50% de marché, comprenant une clause environnementale dans un dialogue constant avec le monde économique. La nature et les paysages de nos cirques et remparts sont au cœur de notre identité. Pour préserver et valoriser notre biodiversité, nous replanterons 1 million d'arbres d'ici 2024 et nous menons une politique offensive pour protéger nos forêts des espèces exotiques envahissantes. Preuve qu'écologie et développement durable peuvent travailler main dans la main, nous réaménagerons nos espaces touristiques emblématiques comme le Pas de Bellecombe et le Maïdo. Nous engageons une transition agricole pour nourrir tous les Réunionnais avec des produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée, biologique ou de l'agroforesterie. Dans les prochaines années, cela signifie créer un label de reconnaissance des produits pays. 80% des fruits et légumes et 95% de la viande fraîche seront produits localement. 5 millions d'euros sont réservés au développement du bio sur les 5 prochaines années. Nous favorisons l'alternative à la voiture en développant, en cohérence avec les autres collectivités, des pistes cyclables pour garantir la continuité des itinéraires. Un grand plan vélo qui définira les travaux à réaliser et les services de mobilité douce à mettre en place sera mis en œuvre. Nous adaptons notre réseau routier au dérèglement climatique et à l'intensification des cyclones grâce à la sécurisation de 156 radiers. Nous bonifions nos aides en faveur des projets de l'économie circulaire et mettons en réseau tous les acteurs de ce domaine pour créer un véritable effet de levier de diffusion sur le territoire. La transition écologique doit être solidaire. Elle nous associe tous pour que chacun puisse y contribuer, mais également qu'elle profite à chaque Réunionnais et Réunionnaise. Faire des économies en faisant de l'écologie, c'est possible, et nous le montrerons en proposant à nos publics des ateliers de confection de produits ménagers, de redécouverte des pratiques longtemps, de cuisine pour limiter le gaspillage. Nous associons tous les Réunionnais à ce grand mouvement grâce à un plan de sensibilisation qui intègre aussi les plus jeunes dans les crèches, établissements scolaires, établissements d'accueil d'enfants ou de jeunes adultes. Parce que nous ne pouvons rien faire seuls, nous mobilisons et appuyons nos partenaires pour développer des actions conjointes de transition écologique et solidaire. La réussite du plan de transition écologique et solidaire repose sur notre capacité à organiser une gouvernance moderne et transparente. La gouvernance associe les citoyens, les élus, les agents, les partenaires publics et privés, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la transition. La gouvernance s'appuie sur des indicateurs régulièrement mis à jour et communiqués dans un espace dédié. La transition écologique et solidaire est un sujet complexe et ces outils nous permettront d'adapter notre stratégie pour répondre au mieux aux attentes du territoire. Vous le voyez, les actions à mener sont nombreuses et les défis immenses. Pour toutes les actions à faire, nous tirons bon en sort. Nous donnons l'exemple qui soit dans le secteur social, qui soit dans l'économie, ou sinon ça pour protéger nous de l'environnement. Nous va faire en sorte de bonne planter et gagner vivre bien. Ils plantent toute ça de nous là-bas.